t'effondrer. La tribu a besoin de toi. Allez, je n'ai pas d'éclat et les vies sont en jeu. C'est vrai. La mienne, si je vais chercher tes copains. Alors paie ou tais-toi. Toute mère, laissons-les garde en mémoire nos pères. Ils n'ont aucune chance. Entends nos chansons, c'est rien à faire. Je crois que tu as des amis en danger. Des employés, pas des amis. Une caravane qui doit faire affaire avec les Banouks via une piste qui grouille de machines. Je me suis assuré qu'ils aient un bon stock de flèches explosives, mais par le soleil, ils les ont laissées. Pourquoi ils n'ont pas pris leurs meilleures munitions avec eux ? Je ne sais pas. Marzavid, leur chef, n'est pas du genre à faire des erreurs. J'ai apporté la caisse, j'espérais les trouver. J'ai passé la frontière alors que le commandant fermait les portes. Mais je ne survivrai pas si je m'enfonce dans les terres sauvages. Surtout avec toutes ces machines corrompues qui pullulent. Quel genre de machine est-ce qu'on trouve sur cette piste ? Des charognardes et des hautes pattes. Mais il paraît qu'on y croise bien pire. Une chose qui attaque sans cri et gare. Sans flèche explosive, ils n'ont pratiquement aucune chance. Si jamais je croise la caravane, j'essaierai de les aider. Bon. C'est toujours mieux que ce qu'ont proposé les minables qui traînent dans ce trou. Tiens. Prends les munitions que j'ai préparées pour la caravane. Tu en auras besoin. Que le soleil brille sur toi. Ils en ont tué tellement. C'est même... Si j'en savais plus sur ces machines, je pourrais les pirater. Thank you.
dois me préparer. Voilà! J'espère que tu viens aider! C'est Lubavad qui m'envoie. Oh, je vois. Il t'a dit qu'il nous avait fourni une caisse de canne de rivage à la place des munitions. 3 vagues de veilleurs et de charognards jusque-là. Et on attend le pire. Sans munitions, on n'a aucune chance. Lubavad n'a pas parlé des cannes de rivage. Il a dit que vous aviez oublié les munitions. Alors ce vieux fou est devenu Miro. J'ai vérifié le chargement de chaque caisse 2 fois. Les glyphes indiquaient munitions. Mais quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'elle était pleine de cannes de rivage. Lubavad m'a envoyé parce qu'il s'inquiétait pour votre sécurité. La seule chose qui inquiète Lubavad, c'est son investissement. On fait le boulot, il compte les bénéfices. J'ai apporté les munitions. Il y en a pour tout le monde. Par le soleil, on va peut-être s'en tirer finalement. Alerte ! Haute patte arrive ! Aux armes ! Aux armes ! Thank you.
J'en aurai sûrement besoin. Tu te bats drôlement bien, étrangère. Je suis étonné que Lubavad ait payé quelqu'un de si talentueux. Il m'a pas payé, en fait. C'était de bon cœur. Ne fais jamais confiance à un marchand Karja. Chef, les noyaux sonores ont disparu. Quoi? C'est impossible. À moins que Dirid les ait pris. Quand la première vague a attaqué, un de nos hommes a filé. Dirid. Je l'ai pris pour un lâche. Apparemment, c'est un voleur aussi. Il doit pas être loin. C'est vrai, mais on n'est pas en état de le poursuivre. Alors je vais le rattraper, mais cette fois, je veux un salaire. T'apprends vite, hein. Ok. Ramène ces noyaux sonores et je te paierai. J'ai déjà trop de choses. Les arbres cachent des surprises. Ouvre l'œil. Bonjour, Dirid. Qui êtes-vous? La caravane m'envoie. La caravane? Quelle caravane? Celle que tu as sabotée. Tu t'es dit, sans flèche explosive, pas de survivants. Un crime sans témoin. Écoutez, étrangère, j'ai des dettes. Soit je les paie, soit je me fais crever les deux yeux.
Ce serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Je saurais quoi en faire. Pas une mise en garde. De porter.